L'alternance, c'est choisir de préparer un diplôme en répartissant son temps de formation entre une entreprise et une école. Donc, on a le statut de salarié, on travaille donc 35 heures par semaine, on bénéficie de 5 semaines de congés payés, on perçoit un certain pourcentage du SMIC. Choisir l'alternance, ça peut convenir quand on souhaite être immergé très rapidement dans le monde professionnel et du coup mettre en pratique ce qu'on apprend dans l'établissement. Et l'alternance permet aussi d'avoir une certaine autonomie financière et d'aider à financer ses études. Il y a des exigences. Oui. D'une part, quand on entre en alternance, souvent on est réparti entre deux lieux, l'école et l'entreprise, qui ne sont pas forcément dans la même ville ni dans la même région. Ce qui veut dire qu'il faut prévoir son logement et son transport. D'autre part, entrer dans une entreprise exige d'en respecter les règles. Arriver à l'heure, assumer les tâches demandées, respecter ses collègues. Donc vous devez faire preuve de maturité. Le diplôme préparé est le même, que vous soyez en alternance ou non. Donc, en plus de votre journée de travail, vous devez assumer un temps d'études. Donc, il faut que vous soyez bien organisé pour atteindre votre objectif principal, qui est d'obtenir votre diplôme.